L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte, Monsieur Cécile Raphaël Ava, Monsieur Alpha Madou Baldé, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kiboro Kamara, Monsieur Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gekite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Keita, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres, la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et familles du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Amadou Diallo. Nous nous apercevons que depuis quelque temps dans cette affaire, et on nous produit des constitutions des partis civils à l'audience et c'est à la même audience que ces partis civils sont entendus. Pourtant, vous avez au dossier de la procédure des partis civils qui sont connus depuis l'information. Ces partis civils-là ne comparaissent pas. Les nouvelles qui comparaissent, nous, c'est à l'audience qu'on nous met en copie. Ça, c'est ce qui vient d'être fait. On n'a pas le temps, Monsieur le Président, de lire ces PV, ces déclarations, disons, des partis civils, pour pouvoir apporter la contradiction qui sied. Pourtant, notre code de procédure pénale est très clair en son article préliminaire. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des partis. Je crois à ce niveau, il y a un déséquilibre, Monsieur le Président. Monsieur, permettez-moi. Excusez-moi. Oui. Monsieur Diallo, vous pouvez vous asseoir d'abord. Ok. À ce niveau, il y a un déséquilibre intolérable dans ces procès parce que nous venons de recevoir près de 5 constitutions des partis civils qui ont été faites aujourd'hui, reçues au greffe aujourd'hui, et on veut en débattre. Ça, c'est quel procès pénal, Monsieur le Président? Pourtant, les procès verbaux d'audition des partis civils versés au dossier de la procédure ont été dressés. Il a fallu du temps pour que ces procès soient préparés, pour que nous en soyons là. Pourquoi maintenant on veut inverser les règles de procédure pénale? Franchement, ces situations-là ne plaident pas en faveur d'un procès juste et équitable. Nous ne le savons pas. Ce qui se trouve consigné dans ces constitutions des partis civils qui viennent de nous être communiquées à l'instant. Et nous ne sommes pas situés à la même enseigne que les avocats des partis civils. Nous voudrions donc qu'un temps nous soit accordé pour nous permettre de lire ces constitutions des partis civils et d'être à même d'en débattre contradictoirement avec les avocats des partis civils. C'est cela le procès juste et équitable et je vous remercie. Dans la même lancée, je voudrais indiquer très sincèrement, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, que ces nouvelles constitutions sont généralement accompagnés de pièces, notamment de certificats médicaux. Comment, sur place, nous avons la possibilité de pouvoir examiner ça, si ce n'est pas des erreurs liées à la date ou certaines incohérences? Mais nous pouvons nous aussi, à un moment donné, nous reporter à certains experts pour voir la sincérité ou la véracité de ces documents. Mais ces documents, on nous les produit séance tenante et on en discute, on continue. Nous ne voulons pas qu'on s'inscrive dans la banalisation de ce procès. Je vous donne un seul cas, un seul exemple. Vous avez la constitution de M. Mamadou Sile Diallo, que nous venons de recevoir, qui est datée du 16. Il me semble que ça a été déposé au greffe le 11, je ne vois pas très bien la date.
il y a des constitutions qui sont déposées avant le jour de l'audience. Au moins, nos cabinets sont connus. Nos cabinets sont connus, qu'on nous dépose à nos cabinets pour qu'on puisse lire avant qu'on ne vienne à l'audience. Nous avons des centaines de parties civiles entendues devant le pool des juges d'instruction. Ces personnes-là ne viennent pas. Et c'est sur la base des accusations que ces personnes ont portées contre nos clients que ces personnes ont été renvoyées devant votre tribunal. Mais c'est d'autres personnes qui viennent. L'instruction a servi à quoi? L'instruction préparatoire a servi à quoi dans cette affaire, Monsieur le Président? Nous aboutissons à la conclusion que l'instruction n'a servi à rien. Parce qu'on est en train de reprendre tout ce qui a été fait par les juges d'instruction, de bout en bout. Donc, nous voulions que vraiment l'équilibre soit restauré dans ce procès pour nous permettre de défendre efficacement nos clients, comme l'a indiqué tout à l'heure Maître Lancine Silla. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, respectueux assesseur du tribunal. Monsieur le Président, pourquoi les conseils de la partie civile ne nous communiquent pas ces actes au moins 48 heures avant l'audience? Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le résultat d'une procédure bâclée par le pôle des juges. Si le pôle des juges avait tenu compte de toutes ces personnes qui défilaient devant lui, aujourd'hui, on n'en sera pas là. Mais à chaque jour que Dieu fait, lundi, mardi, mercredi, on a des nouvelles figures ici à la barre. Mais quand est-ce nous allons terminer avec les parties civiles? Quand est-ce? Ceux qui sont ici ne sont pas en liberté. Ceux qui passent ici tous les jours sont en liberté. Voilà, et puis ils trouvent du plaisir. Nous vous prions, Monsieur le Président, respectueusement, de bien vouloir cadrer les parties civiles, limiter ce défilé de mortes devant le tribunal, afin que nous puissions avancer. Je vous remercie. Ministère public, sur les préoccupations de la défense. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Nous comprenons tant soit peu le cri de cœur, le conseil des accusés. Et la préoccupation majeure, il voudrait que la procédure pénale, comme l'a dit l'article préliminaire du Code de procédure pénale, soit équitable, contradictoire, et préserver l'équilibre de toutes les parties. Monsieur le Président, je demanderai au Conseil de bien lire les dispositions des articles 486 et suivants du Code de procédure pénale. Nous allons partir pas à pas. À l'article 486, le législateur a dit ceci. Toute personne qui, conformément à l'article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Je poursuis avec l'article 487, Monsieur le Président, qui indique que la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusion. Je termine en visant l'article 489, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Cet article dit, à l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Monsieur le Président, la loi pénale étant d'interprétation stricte, eh bien, je vous prie de viser ces dispositions qui, ma foi, ne donnent pas un timing en tant que tel aux parties civiles de produire
24 heures, 48 heures, 72 heures avant l'audience de communiquer les déclarations de constitution de partie civile. Partie principale que nous sommes, nous venons de recevoir ces déclarations de constitution de partie civile. On n'a pas voulu les discuter parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales que je viens d'énumérer. Donc, Monsieur le Président, je résume que, pour notre part, nous estimons que les partis civils sont dans leur plein droit et que vous pouvez accéder à leur demande et ordonner à ce que M. Amadou Diallo, qui est à la part de votre tribunal déjà, fasse son récit. Je vous remercie. Parti civil. Je vous remercie, M. le Président, de nous donner la parole pour donner notre avis par rapport à cette question. Je ne sais pas quelle est la demande réelle, la demande formelle soumise à l'appréciation de votre tribunal par la défense. Est-ce que c'est l'irrécevabilité de la constitution de parti civil? Est-ce que c'est une contestation des pièces? Est-ce qu'on arrête que les partis civils passent désormais, c'est-à-dire les partis civils qui n'étaient pas constitués lorsque le dossier était devant les juges d'instruction? Que veut réellement la défense, monsieur le Président? Si c'est l'irrécevabilité des conditions de partis civils, je pense que je ne vais pas revenir sur les dispositions. Toutes les parties civiles qui se sont constituées dans ces dossiers-là l'ont fait conformément à ce que le Code de procédure pénale a prévu. Je ne crois pas que c'est parce que les personnes qui ont été entendues par les juges d'instruction n'ont pas encore fini de déposer qu'on empêcherait à d'autres victimes de se constituer partie civile. Ce n'est pas possible. C'est la loi qui le prévoit. Pour le moment, il n'y a eu aucun réquisitoire du parquet sur le fond de l'affaire. Toutes les personnes qui estiment avoir été lésées par l'affaire qui est en train d'être jugée peuvent se constituer partie civile. On ne peut pas empêcher ça. Ce n'est pas possible. C'est un droit pour les personnes-là, monsieur le Président. J'entends parler de pièces. Je pense que nous sommes encore à la phase des débats. Lorsqu'on a les griefs contre les pièces qui sont dans le dossier, que ce soit les pièces produites depuis l'information par les juges d'instruction, que ce soit les pièces produites à l'appui de leur constitution par les partis civils, chaque personne est libre, chaque parti est libre de contester ces pièces-là. Ce n'est pas à nous d'indiquer les voies à suivre, monsieur le Président. En ce qui concerne le contenu de ces conditions de parti civil, parce que nous avons entendu dire que le temps n'est pas nécessaire pour la défense de pouvoir lire attentivement le contenu de ces conditions de parti civil, monsieur le Président. Ça, je pense que les textes sont très clairs. Votre décision, vous la prendrez que sur la base de ce qui a été produit et discuté contradictoirement à cette audience, monsieur le Président. Et c'est pourquoi, toutes les fois qu'il y a constitution à l'audience, la partie passe devant votre tribunal et fait déposition, c'est discuté contradictoirement. Il y a quel mystère dans les constitutions des partis civils qui sont en train d'être faites maintenant là? Il n'y a pas de mystère, monsieur le Président. Nous vous prions très respectueusement de bien vouloir permettre aux nouveaux constitués, monsieur le Président, dans ces dossiers, de bien vouloir déposer et qu'on puisse continuer les débats. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et en ce qui concerne notre collectif, nous avons communiqué 3 PV des victimes auditionnées devant le pôle des juges d'instruction. 3 PV. Ce matin, nous avons déposé une constitution de parti civil au greffe. Nous vous avons communiqué avant l'audience. Mais de grâce, vous avez la faculté, parce qu'il faut ici, j'ai toujours dit ici, c'est une tribune. Vous avez la faculté de demander un renvoi peut-être pour certaines parties civiles. On auditionne les PV qui ont été
fait déjà devant le pôle des juges d'instruction. Moi, mon collègue, on a trois. Ensuite, depuis que le procès là a commencé, parce qu'il faut, on va être clair, c'est une seule fois, je dis c'est une seule fois, j'ai reçu un acte d'un avocat de la défense à mon cabinet. Une seule fois, et ça c'est avant le procès. Toutes les pièces que vous nous avez communiquées ont été communiquées à l'audience. On n'a jamais, moi personnellement, mon collectif, nous n'avons jamais reçu vos pièces ou vos actes à nos cabinets. C'est un seul acte. Et cet acte, c'est avant l'audience, je veux parler, Maître Lansine Silla nous a signifié la liste de ses témoins à mon cabinet. Il m'a même appelé. Ça, j'ai reçu à mon cabinet. Mais tous les autres actes et pièces, vous nous les avez communiqués ici. Moi, j'ai toujours dit, c'est un procès où il y a des centaines de victimes. Rien n'empêche, ça dépend de du tribunal, de dire, constituez vos greffes, déposez vos pièces, vos récits, nous allons passer à une autre étape. Chers confrères, nous sommes tous des techniciens. La loi nous permet même de se constituer en appel, parce que ce qui est évident, après le jugement au niveau de ce tribunal criminel, peut-être là, vous ferez appel, peut-être nous ferons appel, on va se retrouver à la cour d'appel, et là aussi la loi nous permet de se constituer partie civile. Moi je crois, pour une question vraiment d'efficacité, si vous avez reçu des nouvelles constitutions, vous estimez que vous n'êtes pas prêt pour défendre, on passe aux anciens PV et à l'écoute. Le temps pour vous de lire, peut-être demain vous serez prêt. Monsieur le Président, je vous remercie et je m'en remets à votre sagesse. L'audience est suspendue. C'est chaud, hein. Mais finalement, la défense va se réconcilier. Hein.